Ok, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire cours avec un Swiss ball, un ballon, toujours sur la thématique des abdominaux. Donc, on va essayer de travailler beaucoup le gainage, la proprioception, donc l'équilibre actif notamment. Alors, au départ, on va saisir le ballon au niveau des mains et on va placer ses deux pieds avec un écart largeur des épaules. Vous pouvez plier un tout petit peu les genoux et on crée un premier mouvement qui est simplement un mouvement où on tourne la ligne des épaules par rapport à la ligne du bassin. Idéalement, souffler pendant le mouvement pour, en termes de rythme, c'est l'idéal. Donc j'expire. À chaque fois que le ballon repart d'un côté et de l'autre, hein, ce qui nous permet aussi un petit peu de nous échauffer. Les pieds sont parallèles, comme collés dans le tapis. On fait ça encore une dizaine de fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ok, super. Vous pouvez poser le ballon devant vous. On va se mettre en pied joint derrière le ballon. Et ensuite, poser un pied sur le sommet du ballon. Donc, le pied d'appui, évidemment, est le pied de sol. On va ensuite écarter les bras au maximum. Faire un mouvement où un bras monte et l'autre descend. Expirez, changez la position. Soufflez de nouveau, changez la position. En plus de faire ça, eh bien, on va tourner la tête en direction du bras qui monte. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Tirez bien jusqu'au bout des doigts. Encore 4. 3. 2. 1. Ok. On stabilise, on va rassembler les deux mains sur le genou. On va faire 3-4 respirations. Donc quand je souffle, le ventre se vide et je pousse les mains vers le genou. Donc les deux forces s'opposent l'une à l'autre. Inspirez naturellement. Expirez profondément. Dernière fois pour ceci. Changez simplement la position des pieds. Donc prenez le temps de vous ajuster, d'être bien sur les appuis. De nouveau, on écarte au maximum. Mouvement un petit peu différent, comme un archer cette fois-ci. Donc on va rassembler la main vers l'épaule opposée et ensuite la reculer vers l'épaule respective. Changez la position, partir de l'épaule opposée et reculer la main vers l'épaule respective. Vraiment comme un archer, bander l'arc. Portez le regard vers la main, prolongement de l'index. Voilà, super. Encore une fois de chaque côté après ceci. Toujours le souffle. Mettez tout le corps en tension. Restez détendu là où c'est possible, sans vous crisper. Ok, on écarte de nouveau. Et cette fois-ci, on va croiser les doigts à l'arrière du crâne. Et vous allez reculer votre tête vers vos mains lors du souffle. Pousser les pieds un peu plus fort en direction du sol. Expirez, un léger retrait du menton vers la gorge. Les coudes sont vers l'arrière, la nuque bien étirée. Encore 3-4 respirations. Donnez de la longueur au souffle. Videz le ventre en profondeur. Ok. Bien, ensuite on reprend son ballon. Et comme tout à l'heure, ce petit mouvement, gauche-droite, donc on peut être un peu plus fonctionnel ici dans le mouvement, soulever le talon derrière vous. Aller un peu plus loin derrière soi. Voilà, comme si on allait le jeter, un petit peu comme un revers qu'on pourrait trouver au tennis ou un swing au golf. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Alors, on pose de nouveau le ballon et cette fois-ci, les deux genoux vont venir donc sur la partie haute, montez bien sur la pointe des pieds, ensuite posez vos genoux. En appui, on va chercher une forme type carré. Donc, on pousse ses fesses en arrière, on place ses mains. Vous avez un rectangle carré sur le sommet du ballon. Le dos s'allonge au maximum et à partir de là, c'est un travail où on répartit le poids du corps.
pour essayer de venir comme en équilibre sur le ballon. Sortez bien la tête des épaules, allongez l'axe du dos au maximum. Voilà, donnez la longueur au souffle. Les mains poussent légèrement sur le ballon. Encore 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On reviendra tout à l'heure sur cet exercice. Donc cette fois-ci, on part debout comme tout à l'heure. Et on va poser le pied et étendre la jambe. Donc une fois le pied posé, prenez appui sur le talon. Saisissez les pouces et tirez le bout des doigts vers le haut. En comptant au maximum la jambe d'appui, érigez votre colonne vertébrale. Penchez-vous doucement en avant à partir des hanches. Donc je garde les mains très très haut, les bras tendus, une colonne vertébrale très très étirée. Équilibrez votre bassin, donnez un maximum de longueur. On maintient tous ensemble, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, redressez-vous et relâchez les bras par le côté. Même chose de l'autre côté. Changez la position de vos jambes. Prendre appui sur le talon, bassin de face, poitrine de face. De nouveau, saisir ses pouces comme un crochet. On tend les bras. Portez le regard loin devant vous. Et très légèrement, penchez-vous vers l'avant. Le bassin veut comme reculer, la tête sort des épaules. Allongez l'espace du dos davantage. Encore 6, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on remonte, relâchez les bras par le côté. Et on va retourner dans notre exercice tout à l'heure de quadrupédie, donc sur une surface instable, sur un ballon. Je plie un petit peu mes genoux, prendre appui, poser ensuite les mains, reculer bien le bassin, allonger le dos. Poids du corps légèrement vers l'avant, les pieds se soulèvent. Alors si c'est ok, niveau 2, pouvoir se passer d'un appui. Donc avec une main, vous allez venir toucher l'épaule opposée. En alternance, idéalement quand on souffle, la main touche à chaque fois l'épaule opposée. Ok ? Quand on est à l'aise avec ce mouvement, bah on pourrait se dire, plutôt que d'aller toucher l'épaule cette fois-ci, je vais aller toucher le sol, comme pour saisir un objet un peu plus bas. Donc du bout des doigts, aller toucher le tapis en alternance. Donc le travail au niveau des jambes s'accentue un peu. Alors si tout ça se passe bien, on peut envisager de ramener les mains vers les genoux, prendre appui un peu plus dans ses jambes pour se redresser. Donc bien pousser son bassin en avant, contenir le ventre, détendre le bas du dos. Si ça va très très bien, tendez les bras, les paumes de main se regardent. Encore 10 secondes d'équilibre sur le ballon, en position cette fois-ci à genoux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pour le retour, on revient dans une position type 4 pattes, et ensuite, poids du corps en arrière, on se redresse. Ok. Alors, on continue. Cette fois-ci, le ballon va nous servir de support pour s'asseoir dessus. Donc, je vais retravailler de face avec vous. Les pieds sont écartés, largeur épaule, voire largeur bassin. Bien. Premier exercice pour les bras ici. Je croise, j'entrelace mes doigts. Ensuite, les mains sont posées sur le sommet du crâne. Soufflez par la bouche et poussez les paumes de main vers le haut. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Expirez profondément. Inspire naturellement. Par le côté, on va relâcher et maintenir une poussée dans les mains, vers la gauche et vers la droite. Bien. Préparons ensemble une torsion cette fois-ci. Donc avec une main, on saisit le genou opposé et on va venir poser l'autre main du bout des doigts derrière soi. Attention de stabiliser les genoux, ensuite de tourner à partir du bassin vers le sommet du crâne. Un petit peu à l'image d'une vis qui
tourne et se redresse. On essaie d'aller porter le regard loin derrière soi. On a tourné les lombaires, le dorsal, le cervical. L'axe du dos très très étiré. On maintient encore 3, 2, 1. Alors, ok, le retour se fait doucement avec la tête, ensuite la poitrine et finalement le ventre de face. Alors derrière soi, on va entrelacer les doigts comme ceci et tirer un petit peu les épaules vers l'arrière. Bombez légèrement le torse, fixez vos omoplates. Ok. Suite à ceci, on part sur notre deuxième torsion. Donc la même que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Saisir le genou opposé, placer ensuite derrière soi, grandir au maximum et tourner. Commencez par l'abdomen, faites monter la tension dans la zone du thorax, évoluez jusqu'à tourner la tête, les yeux et portez le regard loin derrière vous. Le bassin lourd, la tête légère, on maintient encore 6, 5, 4. 3, 2, 1. Voilà, on va revenir tout doucement avec la tête, ensuite les épaules et finalement le ventre. Alors, le bassin va bouger, mais on essaie que le haut du corps, la tête, bouge le moins possible. On peut écarter les bras, faire des cercles avec le bassin, dissocier ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas. Voilà, grand cercle, trouver un rythme agréable. Et tous les 10 mouvements environ, on va changer. On peut inverser le mouvement, pareil, décrire des cercles, une circonduction avec le bassin. Ok, changer le sens. Très bon exercice pour délier un petit peu le bas du dos. Voilà, changer une dernière fois le sens. Ok. Le mouvement suivant, c'est uniquement une translation. Donc un mouvement plutôt gauche-droite. La ligne des épaules, la ligne des bras ne bouge pas, comme si on se tenait à quelque chose, comme si on avait posé ses mains. Par contre, le bassin glisse le long d'un rail. On sent la sangle abdominale qui donne une réponse un peu plus forte. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok, super. On revient sur ses appuis, posez le bout des doigts. Travail cette fois-ci croisé, donc on va pousser une jambe dans le sol, lever l'autre, mais également le bras opposé. Donc on peut se tenir éventuellement ou lâcher l'autre main si ça va bien. Relâchez doucement, expirez, maintenir la position. Encore 3, encore 2, encore 1, et relâchez. Soufflez, changez, donc si c'est ok, tu fermes les yeux. Ce qui va augmenter, bien entendu, la difficulté de l'exercice. Relâchez doucement, expirez, levez le genou, le bras opposé. Voilà, on va le faire encore une fois de chaque côté, ceci. Essayez les yeux fermés. Et changez dernière fois. Placez-vous, les yeux sont fermés. Maintenir la position, en forme de gainage. Et relâchez doucement. Posez les mains sur les genoux. Alors, on va de nouveau utiliser notre respiration, un peu plus dans l'expire, aller loin, vider le ventre en poussant les mains contre les genoux. Inspirez naturellement. Expirez profondément. Ok, on va faire ça une dernière fois. On a travaillé l'équilibre sur un pied, cette fois-ci on va essayer d'être complètement assis sans toucher le sol. Donc pour ce faire, on met le poids du corps vers l'arrière et idéalement, on va poser ses talons contre son ballon. Donc soulever le talon du pied, talonner littéralement le ballon, le poids du corps est vers l'arrière. On va soulever un pied, puis l'autre. Alors si ça va, vous lâcherez les mains. Si ça va toujours, vous lâcherez un pied. Et l'autre pied. Donc je suis finalement juste assis et je cherche à me redresser, comme sur un petit canoë. Utiliser un mouvement un peu plus difficile, qui est simplement comme si on allait pagayer un peu d'un côté, hop, on se décale un peu de l'autre. Donc
qu'on met tout le poids du corps sur une fesse, et puis on met tout le poids du corps sur l'autre. On se bien concentrer, stabiliser les yeux, toujours chercher à se grandir de la position. Encore un mouvement comme ceci pour ceux qui sont dans la version canoë, avant de revenir au centre de soi-même et de nouveau poser ses appuis. Ok, donc l'équilibre doit être vu comme un jeu finalement. Alors, nous allons maintenant nous redresser. Position pied-joie, ballon en main. Donc les deux pieds se touchent, les deux mains saisissent le ballon par en dessous. On tend bien les bras, on tend bien les jambes. Ok, fermez les yeux, 10 secondes. Soyez le plus grand possible. Poussez vos talons dans le sol, poussez le ballon vers le plafond de la pièce. Ok. Les yeux s'ouvrent doucement et on relâche devant soi. Alors, on presse simplement son ballon et quand on souffle, on va lever un genou. Idéalement, le genou monte un peu plus haut que le niveau du bassin. Relâchez doucement, pressez le ballon, élevez l'autre genou, maintenir la position et relâchez doucement. 4 fois encore. Voilà, toujours on peut fermer les yeux pour plus de sensations, plus de difficultés. Sinon au contraire, la vision est très stable. Regardez loin devant vous, légèrement vers le haut. Ok, très bien. Et on place de nouveau. Alors, prochaine position sera une inflexion dans la position à genoux pour démarrer. Donc, on va serrer simplement ces deux genoux l'un contre l'autre. Okay. On va lever le bras opposé, l'autre main sur le ballon, et on va s'étirer comme un croissant de lune vers le haut et le ballon. Le regard vers le plafond, les deux genoux très très lourds, cherchez comme à galber les tailles. Donc la dynamique est plutôt vers le haut que vers le sol. Encore 3, 2, 1. Même chose de l'autre côté. Donc simplement changer le ballon de place. Les genoux sont proches pour l'instant. Levez l'autre bras, les deux bras sont tendus, inclinez-vous vers le haut, infléchissez, portez le regard à travers les selles, gardez la nuque bien longue. Très bien. Ok, on remonte de nouveau. Changez encore une fois de côté pour le ballon. Un tout petit peu plus complexe, dégagez la jambe en prenant appui sur le talon, pointe de pied flex. On va lever son bras et on va s'étirer un peu plus loin que tout à l'heure. Le regard vers le haut, toujours sentir qu'on est maintenu au niveau de la taille. Tendez bien les bras, marquez vos appuis. Encore 3, 2, 1. Ok, on revient. L'autre côté, pareil. Donc prendre appui sur son ballon, dégager la jambe, pointe flex au niveau du talon, stable dans le bassin, dans la poitrine. Et là, doucement, on y va. Comme une inflexion, comme un gainage latéral. Tendez bien les bras, le regard vers le haut. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, et on remonte de nouveau. Super. Alors, prochaine position, on va un petit peu étirer le dos dans la position dite de l'enfant. Écartez vos deux genoux. On ramène les fessiers très proches des talons. Ça devient un point fixe et à partir de là, on s'étire en avant. Le bassin recule, la tête sort des épaules, tendez bien les bras. Au niveau des mains, les mains sont ouvertes sur le tiers supérieur du ballon. La nuque est étirée, le menton vers la gorge. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, le ventre se vide. Encore 3 respirations. On prend un inspire naturel et on prolonge le souffle. Inspire naturel. Et prolonge le souffle. Ok. Stabilisez le dos et redressez-vous doucement. Prochaine position, position haute à genoux. Les deux genoux sont écartés largeur des épaules. Si je presse mon ballon, je sens mon ventre qui se vide. Donc la capacité de gainage qui augmente légèrement. On va s'incliner un petit peu en avant, un petit peu en arrière, tout en stabilisant le dos. Donc expirez. Allez, un tout petit peu en arrière, comme repousser le ballon, ventre contenu, revenir sur ses appuis, inspirer. Maintenant, on va un petit peu en avant, pareil, presser, rentrer le coccyx, garder la poitrine ouverte,
et revenir. On va faire des allers-retours. J'expire, je vais un petit peu en arrière. Je souffle de nouveau, je vais un petit peu en avant. Le ballon est utilisé ici comme un rouleau. Activez bien au niveau quadriceps, au niveau fessier. Voilà, super. Toujours garder le contrôle sur l'exercice. Si ça va bien, permettez-vous d'aller toujours un peu plus loin. Encore trois fois aller-retour dans cet exercice du rouleau. Bien souffler. Voilà, super. Dernière phase, aller-retour. On va essayer de maintenir le gainage vers l'avant et nous allons basculer sur les coudes. Donc aller loin vers l'avant et glisser sur les avant-bras. Les deux coudes sont écartés de la largeur des épaules. Retournez les pieds, pointe flex. Et là, on tend ses jambes. Donc, soulevez les genoux. Marquez l'appui dans les talons. Éloignez au maximum la tête des épaules. Les talons reculent. La nuque s'allonge. Et on maintient. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos genoux. Revenez doucement en arrière et on rétire le dos dans la position dite de l'enfant. Écartez bien les doigts, allongez la nuque, inspire par le nez, souffle par la bouche. Bien vider le ventre après cette phase, un peu plus de gainage. Position de chute faciale, on appuie sur les coudes. Ok, on se redresse. La position suivante sera le chevalier serpent. Donc nous allons monter à genoux, serrer les genoux, serrer les pieds, et ensuite placer un pied devant vous à angle droit. Le genou est au-dessus de la cheville. Marquez vos appuis, on allonge un tout petit peu le bas du dos, et là on va porter le ballon au-dessus de la tête. Le sommet du crâne monte, les épaules lourdes descendent, fixez vos appuis, repoussez le sol. Ok, très bien. On ferme les yeux. Maintenir les yeux fermés, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux s'ouvrent. On pose le ballon, donc côté jambe arrière. Cette jambe à 90 degrés ici, on va la retendre. Pointe de pied flex. Et là, on va faire plusieurs fois des allers-retours vers l'avant. Donc on cherche la mobilité de la hanche. Donc poussez votre genou un tout petit peu vers l'extérieur et puis remontez, pointe de pied flex. Donc le talon est comme ancré, comme enraciné dans le tapis. Laissez le dos légèrement se creuser, en tout cas s'arquer dans toute sa longueur quand vous faites ce mouvement. Trois fois encore. Donc idéal à faire régulièrement, surtout si on est souvent et longtemps assis. Voilà, c'est très bien. Sortez bien la tête tout en abaissant les épaules et rythmez le travail avec votre respiration. Ça, c'est vraiment le petit plus. Ok. Alors, nous allons changer de côté. Inversez votre position. On resserre un tout petit peu plus ses genoux. Commencez chevalier serpent. Le genou est donc pile poil à l'aplomb de la cheville. Saisir son ballon, le porter au-dessus de la tête. Fermez les yeux, marquez les appuis. On absorbe le ventre. Un petit peu à l'image d'un arbre, les racines des jambes, le tronc vertébral. Jusqu'aux branches des bras, le feuillage des mains se dessine. Marquez vos appuis, étirez l'axe du dos, poids du menton vers la gorge, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux s'ouvrent, ok, et on relâche. Donc le ballon est posé sur le côté, côté jambe arrière. On retend la jambe qui était fléchie simplement, et on va aller quelques fois en avant. Donc la main libre peut venir sur le genou, on va en avant, ok, on remonte, expirez, le genou va un petit peu vers l'extérieur. Voilà, gardez au maximum le bassin, les épaules de face. Deux fois encore, bien soufflé. Et le petit dernier. Super, bien. Alors, à partir de la position à genoux, on refait une pose de l'enfant, cette fois-ci avec une main uniquement. Donc l'autre main, vous la gardez dans le pli de laine avec le pouce,
La main supérieure est ouverte sur le sommet du ballon. Et à partir de là, nous allons tourner. Alors, la main libre va passer en dessous de l'autre, glisser avec le dos de la main, tendez bien les deux bras. La tête est portée, le regard est vers le haut. Étirez les deux bras de manière perpendiculaire. Encore 3, 2, 1. Ok, on se redresse doucement. Donc pareil, je mets une main sur le sommet de mon ballon. Bien vous étirez. Ensuite, le dos de la main libre glisse par en dessous. Tendez vos deux bras au maximum. Twistez, pivotez légèrement sur vous-même. Le bassin vers l'arrière comme un point fixe. Encore 3, 2, 1. Ok, super. Et on remonte de nouveau. Ok. Alors cette fois-ci, le ballon, on va l'utiliser comme un soutien au niveau du bassin, au niveau du ventre. Donc, vous allez passer comme par au-dessus du ballon et répartir les appuis au niveau du bout des doigts. Donc ça dépend aussi de la hauteur de votre ballon. Point de flex derrière, mais comme en gainage. Alors ici, l'intérêt, ça va être un travail d'appui. On va expirer, soulever une jambe, pas trop haut, surtout en longueur, et poser de nouveau. Expirer, stabiliser le bassin, pareil, on soulève l'autre jambe. Ok, tout va bien. Maintenant, un bras. Donc, stabilité au niveau des épaules, au niveau du bassin, étirez-vous et placez de nouveau. Changez, donc même chose de l'autre côté, on expire, on étire le bras avec la main un peu plus haut que l'épaule. Ok, super. Donc maintenant, attention, on va soulever le bras gauche et la jambe droite. Allez-y, vraiment sur une diagonale, renforcez vos deux appuis de sol. Ça bouge un peu plus, position tout à fait normale, elle plus difficile. Encore 3, 2, 1. Placez de nouveau, ok. Changez une dernière fois. Donc je vais soulever cette fois-ci la jambe gauche et le bras droit. Étirez-les, éloignez-les l'un de l'autre au maximum. On essaie d'allonger le bas du dos, d'étirer la nuque, poitrine ouverte. Encore 3. 2, 1, placez les appuis, super. Maintenant, on part sur le côté, donc on va mettre une main un peu plus au milieu, faire un petit pivot, idéalement on a les deux pieds qui touchent le sol, ajustez votre ballon si besoin, on va venir lever le bras. Alors, si tu veux un peu plus difficile, il suffit de superposer tes deux pieds. Encore un peu plus difficile, soulevez la jambe supérieure, pointe de pied flex, le pied au niveau du bassin. Maintenant, le bras qui pointe vers le haut dessine un arc de cercle comme derrière la tête. Marquez bien les appuis, repoussez le sol, gainez-vous au maximum. Le ballon nous aide, mais on n'est pas complètement avachi dessus, on repousse. Encore 3, 2, 1. Ok, on revient doucement. Alors, même chose de l'autre côté. On revient de face, ajustez le ballon pour que ça reste confortable. Placez votre main bien au centre, et puis de nouveau on fait son petit pivot. On s'installe, les deux talons touchent le sol, le bras d'appui est bien tendu, le bras supérieur levé, le regard vers le haut. Tu vas aller un petit peu plus loin, et bien superpose tes deux pieds. Une fois les deux pieds superposés, je peux lever la jambe, donc faire une abduction de la hanche. Maintenant, étirez le bras comme loin derrière, paume de main vers le sol, tracez comme une ligne droite entre la jambe, le flanc, le bras. Allez, on repousse ses appuis, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche doucement. Ok, retour de face de nouveau. Alors cette fois-ci, un petit peu différent, on va mettre le ballon derrière soi. Vous placez ensuite le dos du pied gauche sur le sommet de celui-ci. Et donc l'idée c'est partir dans une position type 4 pattes en étant solide sur ses appuis. Bien, donc comme tout à l'heure, allongez le bras droit et cherchez vraiment un étirement de la jambe et du bras opposé. Rentrez le coccyx, étirez le dos. Très bien. Alors nous allons changer la position pour le pied. Bon. Poussez le dos du pied sur le ballon. Pour cet exercice, un ballon un peu plus petit est idéal. Absorbez le ventre, marquez vos appuis. Maintenant, allongez le bras opposé.
Donc bras gauche tendu devant, jambe droite tendue derrière. Allongez au maximum entre ces deux poids. Et revenir doucement. Ok. Attention, donc si c'est difficile, on refait une fois chaque côté. Si ça va bien, par contre, vous allez être solide au niveau de vos mains et placer vos deux pieds sur le sommet du ballon. Placez bien le dos du pied. Le bassin, il vaut mieux un peu plus haut que trop bas. Stabilisez le bassin, absorbez le ventre. Et là, quand on souffle, on va plier les genoux. Retendre les jambes. Expirez, plier les genoux. Retendre les jambes. Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Dernier. Ok, super. Petit bonus. Battement de jambes, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Posez les genoux. Asseyez-vous, jambes croisées maintenant dans le tailleur. Donc on fait un petit retour au calme. Après cette activation un peu plus athlétique, portez le ballon au-dessus de la tête, on tend ses bras. On est très très grand. Calmez le souffle. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Encore une fois. Bien. Alors maintenant, on va essayer de porter son ballon. Petit travail un peu plus de réflexe, coordination œil-main. Du bout des doigts, j'essaie de soutenir mon ballon. Donc, au départ, vous commencez hauteur de la tête, hauteur de la vision. Et si ça se passe bien, on va essayer de retordre, 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 jusqu'à monter le ballon au-dessus de la tête. Donc, vraiment un peu comme un serveur qui porterait un plateau rempli au-dessus de la tête. Sentez bien votre main, la correspondance avec l'épaule. Et avec le centre dans la zone du ventre. Relâchez doucement et changez de main. Donc pareil, hein, on essaye. Au début, regardez ce que vous faites. Et si c'est ok, on détachera son regard. Sentir jusque dans le bout des doigts le travail du ballon. Montez-le le plus haut possible. Encore 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Alors pour clôturer notre séance aujourd'hui, on va s'allonger sur le dos et on va mettre le ballon contre les fesses. Vous écartez vos bras en croix, paume de main vers le haut idéalement, et sans soulever les épaules, on laisse les jambes twister d'un côté et puis de l'autre. Donc c'est un mouvement qui est assez doux. La tête, si elle bouge, sera en opposition. Donc la tête d'un côté et les jambes de l'autre. N'allez pas trop vite au niveau de ce mouvement, qu'on va répéter encore 3-4 fois. Voilà, super. Très agréable ceci, en douceur, dernière fois de chaque côté. Ok, alors petit gainage dorsal cette fois-ci. On recule un peu son ballon jusqu'à avoir les talons, jambes tendues dessus. Plus difficile, on tend ses bras vers le haut. Plus facile, on met ses mains sur le sol. Intermédiaire, flexion au niveau du coude. Donc, peu importe la position qu'on choisit, eh bien, on va se gainer en prenant appui, jambes tendues sur son ballon, les épaules très très lourdes, la nuque longue, soulever le bassin, maintenir le gainage dorsal. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez doucement. Ok. On ramène cette fois-ci les cuisses au ventre. Donc vous pouvez attraper avec les mains vos genoux. Voilà, quelques instants, juste maintenir la position. Ok. Ensuite, au lieu d'attraper les genoux, saisissez les coudes et allongez les avant-bras comme derrière la tête. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche 3 fois. Une légère pression des pieds contre le ballon, une légère résistance des coudes vers les mains.
ensuite vers vous. Demi-pont des épaules, attention, difficile avec ceci. Pressez vos pieds contre le sol et soulevez doucement la colonne vertébrale. Une fois le bassin en position haute, on va allonger les bras loin derrière soi. Faites attention à l'équilibre, à la stabilité. Maintenant, déposez doucement votre colonne vertébrale, comme si on posait vertèbre par vertèbre. Donc vraiment, déroulez la colonne vertébrale au maximum. Pour ensuite retendre les jambes et ramener les mains, donc soit au niveau du ventre, soit les mains en dessous de la tête. Et là, détendez-vous, fermez les yeux, demeurez immobile un instant. Le retour veineux se fait naturellement. Laissez le corps se poser sur le sol. Ok. Alors, on va faire un petit pivot sur le côté. Et une fois revenu sur le côté, venez vous asseoir sur le ballon. Progressivement, on se redresse. Le ballon est toujours proche de nous. Et on va s'asseoir dessus avec une petite variante pour la stabilité. On serre ses pieds, on serre ses genoux, donc bien compact au niveau des jambes. Rassemblez ensuite les mains et montez doucement les paumes de main. On peut faire un arrêt sur la tête. On va écarter ses coudes et pousser le crâne vers le haut. Maintenant, continuez de tendre les bras en gardant les épaules basses. Écartez tout autour de vous, poussez dans les mains vers la gauche et vers la droite. Derrière soi également, croisez les doigts, les bras se retendent, la poitrine se soulève. Ok. Et on finit par un petit mouvement de rebond. Les mains sont sur les genoux, on a écarté un petit peu les pieds. Voilà, dynamisez une dernière fois la position. Encore 6, encore 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, super. Bien, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci beaucoup en direct du Kinéo de Boncelles.